Bonjour à tous et bienvenue sur Tuto Blender. Donc effectivement, ça fait un petit moment que je n'ai pas sorti de tuto. Et quand je dis un petit moment, je ne sais même pas exactement, mais ça fait peut-être quelques mois, je dirais, au hasard. Je dis vraiment des tutos, hein, des vidéos tutos, plutôt que juste des vidéos pour dire que, ah oui, j'ai trouvé les derniers tutos que j'ai fait pas très bien, je vais les refaire, etc., etc. Ou alors j'attends la sortie de la version stable de quelque chose et tout pour faire mes tutos et tout. Effectivement, c'est vrai, il fallait que la version stable sorte, mais d'un autre côté, c'était aussi une très bonne excuse pour moi de pas de procrastiner, j'ai pas envie de dire ça, mais de pouvoir trouver du temps pour enregistrer mes tutos. Alors en soi, j'ai vraiment envie de continuer, j'ai plein d'idées, plein de tutos que j'aimerais faire et ce qui me bloque, c'est effectivement le temps. J'en reviens toujours à pondérer un peu tout ce que je dis en disant, oh oui, mais je manque de temps, j'ai pas assez de temps. Et c'est vrai, je manque de temps, j'ai vraiment clairement pas assez de temps pour faire les tutos que je veux faire. Mais ce qui me bloque aussi, c'est la manière dont moi je me suis organisé ma chaîne, la manière dont les sortes de règles que je me suis à moi imposées lorsque j'ai créé cette chaîne. Et donc, par exemple, eh bien, j'ai structuré ma chaîne avec maintenant des playlists et il faut passer par la modélisation, il faut passer sur les bases de Blender pour que les gens qui suivent ma chaîne comprennent un peu vraiment la base de Blender, la transition vers Blender 2.8, etc., avant de pouvoir passer au shading, avant de pouvoir passer au FX, aux contraintes, à l'animation, aux particules, je sais pas, à tous ces trucs-là, à la physique et tout. Sauf que bah du coup c'est bloquant parce qu'il y a plein de fois, surtout dans ces temps-là maintenant où il y a plein de trucs qui pop de partout, il y a plein de nouveautés partout, il y a plein de choses que j'aimerais couvrir des fois, mais je me dis ah oui mais j'ai pas encore traité de cette vidéo, j'ai pas encore avancé sur ce point-là. Donc peut-être que dans une playlist j'arrive sur un point un peu bloquant parce que la vidéo est très grosse à sortir et je trouve pas le temps de la faire. Mais du coup, il y a d'autres vidéos que j'ai envie de faire pour après, mais je me dis ah je peux pas encore les faire parce que j'ai pas encore couvert ce sujet-là. Et donc du coup je les fais pas, ça passe et ça traîne et voilà, et il se passe des mois comme ça où je fais rien parce que je trouve pas le temps, je suis bloqué, voilà. Et donc c'est pas bien et je pense, je trouve que c'est pas bien et je préfère me désorganiser, donc arrêter d'être super carré comme ça avec ok je vais faire une playlist, ça va être donc du coup organisé, les gens vont mieux comprendre, vont passer par pédagogiquement d'une étape à une autre. Je vais peut-être arrêter ça, mais au profit de pouvoir sortir plus de vidéos, plus régulièrement en fait. Alors je promets pas une vidéo par semaine ou par jour, hein, effectivement. Je sais pas en fait quand sortiront mes vidéos. Les vidéos sortiront quand j'aurai le temps et l'envie de les faire. Et du coup, il n'y aura pas vraiment d'organisation. Les vidéos sortiront à la volée, comme ah oui, j'ai envie de parler de ce sujet, bah je vais le faire. J'ai un peu de temps, je vais le faire. Du coup, il faut s'attendre à un peu plus de quick tips peut-être, parce que c'est un format qui est plus facile à faire, puis qui est aussi très cool, hein, parce que ça me permet de parler précisément d'un petit sujet qui est souvent perdu dans les tréfonds de Blender et que personne n'en parle trop sur Internet, et de le mettre à jour, enfin de le mettre à jour, de l'exposer au grand jour. Donc c'est un format que j'aime bien aussi. Et d'autres fois, ce seront des tutos peut-être un peu plus longs si j'ai trouvé le temps et s'il y a de quoi parler de quelque chose un peu plus long sur des sujets voilà qui seront beaucoup plus variables, random comme on dit, donc aléatoires. Voilà. Mais au détriment de l'organisation dont j'étais plutôt fier jusqu'à présent sur ma chaîne, ben voilà, je vous annonce ça comme ça, mais ça veut dire que voilà, je suis loin d'avoir envie d'arrêter ma chaîne, hein, bien sûr. C'est juste que, comme d'habitude, je vous le répète encore et toujours, c'est le temps qui me manque. J'espère que bah, vous comprendrez ces raisons. Merci pour votre soutien. Et puis, bah, je vous dis à très vite pour de nouveaux tutos. Salut!